Évolution politique, priorités, avancées et imperfections. Dans un rare entretien à l'agence France Presse, deux conseillers du souverain, Abdelatif Mennouni et Omar Azimane, ont fait un tour d'horizon des 20 ans du règne du roi Mohamed VI. Le compte-rendu de Robert Bussière, correspondant de Midi 1 à Paris. Ce sont des hommes qui s'expriment peu et c'est ce qui donne tout leur poids à leurs paroles. Pour eux, les Marocains peuvent être fiers du parcours accompli depuis 20 ans, même si forcément beaucoup reste encore à faire. Dans un premier temps, rappelle Omar Azimane, la priorité était d'avancer dans le domaine de la démocratie. Puis elle s'est portée sur les grands chantiers économiques, les travaux d'infrastructure, l'agriculture, l'industrie et les énergies alternatives. À présent, elle se déplace sur la réduction des inégalités. Un énorme chantier, souligne-t-il, qui demande un nouveau modèle de développement. Depuis l'avènement du roi Mohamed VI, le pays s'inscrit à la fois dans la continuité et le changement, poursuit le conseiller. Il n'y a pas eu de rupture, mais si le système est resté le même, il a prouvé qu'il avait une forte capacité d'adaptation à l'évolution du temps comme de la société. La nouvelle constitution, estime pour sa part Abdelatif Mennouni, a offert des possibilités aux partis politiques leur permettant de s'imposer plus qu'auparavant. Et quant au souverain, qui occupait une place centrale dans la précédente constitution, il occupe toujours une place centrale, c'est l'idée de la continuité. Mais si autrefois cette place était indéterminée avec des contours mobiles et flottants, aujourd'hui elle est définie et son périmètre limité. Le changement est énorme. Au total, expliquent les deux hommes, nous ne sommes pas dans une monarchie de type Espagne ou Pays-Bas, où le monarque règne mais ne gouverne pas. Nous sommes dans un autre type de monarchie, mais aux attributions bien claires. Certes, les bienfaits réalisés pendant 20 ans n'ont pas encore profité à tout le monde, conclut-il, mais le royaume est passé à la vitesse supérieure dans ses choix stratégiques, et pour continuer à avancer, la cohésion sociale est un élément crucial.